L'intérêt pour nous d'être labellisé HS2, c'est d'une part qu'on travaille sur des établissements qui sont très spécifiques, et donc ça avait du sens pour nous de trouver une labellisation qui corresponde à des établissements qui sont un peu plus complexes que du logement classique, puisque sur des logements classiques, on a depuis très longtemps des certifications qui existent, mais qui prennent essentiellement en compte le bâti. Là, l'intérêt pour nous du HS2, c'est qu'à la fois c'est un label qui prend en compte le bâti, mais au moins également l'usagement et puis tout son environnement. On sait que pour les personnes âgées, eh bien, c'est important, comme tout le monde, mais encore plus pour les personnes âgées, d'avoir des services de proximité, d'être dans un environnement proche qui permet d'avoir une vie de tous les jours qui soit agréable. Donc nous, on y trouve vraiment un intérêt à la fois parce que c'est une vision globale de l'habitat, et donc du coup, je ne parlerai plus de logement, mais vraiment d'habitat dans le sens large du terme. Et essentiellement tout ce qui tourne autour de sa qualité d'usage, sans oublier les services qui peuvent être apportés dans ce type de résidence. Et finalement, ce label HS2, avec l'ensemble de ses critères, eh bien, il nous oblige un peu à aller plus loin que d'habitude, puisque bon, la qualité du bâti, ça fait très très longtemps qu'on était habitué, il n'y a pas de sujet avec ça. Par contre, sur tout ce qui est le service, l'environnement, le positionnement de ces résidences, les animations qu'on y apporte, ça c'était un champ un peu pas nouveau pour nous, mais le label nous a obligés aussi à aller un peu plus loin dans la démarche qu'on faisait jusqu'à présent.